les amis, c'est Jial de Age of Noobs et bienvenue pour la suite des aventures de Jial et Nanoyo sur Supreme Commander. Comment vas-tu, Nano? Ça va, franchement, j'ai pas eu le temps de m'entraîner aujourd'hui par contre, donc ça va pas trop changer de mon côté. Donc moi j'ai ma petite bière bien fraîche, et aujourd'hui c'est un jeu spécial, ça va être encore plus stratégique et plus politique, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a deux autres IA qui ont les deux autres races, donc moi je vais jouer la FTU. Nano, toi tu es parti sur Sur les Aillons, je me suis dit pour une fois on va changer un peu. De toute façon, j'avais commencé FTU parce qu'on m'avait dit que c'était le plus simple pour débuter, donc voilà. Mais c'est la première fois que tu joues Aion, du coup. Ouais, à peu près. Faudra que tu te méfies, quoi. Mais globalement, c'est les mêmes unités, c'est peut-être juste les unités expérimentales qui changent. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc les deux autres joueurs sont les Cibrans et les Séraphines. Donc il va falloir se méfier des araignées Cibran. Ouais, mais là on a choisi justement une map sur des îles. Je vois que t'as pris une map super grande, donc ça va nous prendre énormément de temps. Ouais, mais je suis pour ce genre de map, même si au début ça risque de vous faire chier, les gens n'hésitez pas, de toute façon YouTube permet d'avancer. Donc n'hésitez pas. Mais je pense que ça a encore une ampleur stratégique plus grande, tu vois. On Ouais. va pouvoir se permettre des champs de furtivité qui ne servent à rien sur d'autres maps, sur cette carte. Ça va être vraiment sympa. On va peut-être commencer, hein. Ouais, écoute, c'est parti. Et c'est chacun pour sa peau, les amis. Chacun pour sa peau. Oui, moi je dirais que politiquement parlant, ce serait plus intéressant que nous évitions de nous taper sur les gueules directes. En tout cas, j'ai eu un lag On n'est là. pas obligé de rentrer en guerre ouverte. Mais on peut se faire des guerres froides pour les îles en tout cas. Oui, un petit peu comme le Vietnam, etc. Exactement. Alors, t'as bien regardé ma vidéo? T'as vu pour le départ comment je fais? Alors oui, j'ai regardé, par contre j'ai pas retenu la stratégie malheureusement. Mais même si la tienne me paraît vraiment pas mal. Je préfère sécuriser la montée de niveau et passer un tech 2 quand même. Après, est-ce que ça se défend réellement? Non, pas vraiment. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Un développement plus durable, tu vois. Ouais, ça se défend. Bon, là, j'ai fait une partie un peu différente. Enfin, pour l'instant, le début n'a pas l'air du tout différent. Ça commence comme les autres, mais c'est la première map que je fais où je suis en pleine mer. Et quand je vois les distances qu'il y a, je crois que l'essentiel, ça va être de vite construire des unités aériennes pour faire parcourir tout ça. Donc j'aurais peut-être dû commencer avec une base aérienne. Ok, tu remarques un petit peu les ressources, mon cher Nano. Oui. Bah, je vois que c'est pas mal différent. Alors, donc, les unités aériennes. Voilà, comme ça on va essayer de se transporter assez rapidement. Aussi, ce que j'ai découvert, j'aurais dû le découvrir bien avant, mais bon, on peut upgrade le commander. Bah oui, avec cet onglet-là. Je le savais pas. Oui, vous pouvez vous moquer de moi. Y a pas de souci. Bon, donc je vais pas rusher la technologie 3, c'est pas nécessaire. En tout cas, ce serait un petit peu une erreur, je pense. Si je me mettais à rusher vraiment comme un malade. Ce qui serait peut-être intéressant tout de même, c'est d'essayer d'avoir un nucléaire assez vite. Bon, je vais voir ça avec le temps. Bon, je découvre ça, hein. Je regarde un petit peu ce que c'est. Oui, ok. Alors ça me coûte combien? Ouh, ça coûte cher. Ah, merde, merde. Est-ce que je peux l'arrêter? Ça coûte vachement Je suis cher. repassé derrière, hein, Nanoyo Ouais, en tête. moi je On suis. présente le hardcore des montagnes. Non mais attends, je suis pas mal en négatif. Je teste des trucs là. Donc je vais faire un départ un peu merdique. Ouais, complètement merdique même. On va faire ça.
Alors, cette unité-là va gentiment aller me faire d'autres centrales électriques, surtout autour de la base aérienne, et pour une raison très simple, en fait, construire des avions, ça je l'ai remarqué aujourd'hui en me faisant une petite partie tout seul, construire des avions, ça consomme à mort. En électricité en tout cas. Ça consomme moins en masse, mais par contre en énergie, ça y va vraiment beaucoup trop fort. Bon, pour l'instant, on se fait devancer par les bots qui sont donc ici et là, dont l'idéal j'irai sur cette zone-là. Enfin, je vais essayer. Hein, quand je vois une aussi grande map, je me dis que je vais pas m'en sortir. Là, j'ai vraiment, je me dis vraiment que je vais pas y arriver. On va voir. Non, 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 faut pas que je construise, j'ai plus assez d'énergie. C'est déjà la merde, hein. Pas assez d'énergie. Non, non, il faut savoir qu'il faut profiter, n'oublie pas, de le vol de technologie. Hein. Dans cette carte, l'intérêt Ouais. est agrandi. Mais je vois pas encore vraiment la grande différence entre les technologies ici. Sur Total Annihilation, je la voyais clairement, mais là. Ben, Enfin. clairement, si tu veux te faire des araignées, c'est parfait, quoi. Ouais, voilà, dans ce sens-là, maintenant, c'est juste pour les ultimes, il n'y a pas de petits avantages à droite et à gauche, sinon. Enfin, je les ai pas remarqués. Je sais plus quelle race sur Total Annihilation permettait d'avoir juste plus 1 en métal. Enfin voilà quoi, c'était énorme. Bon, je vais aussi faire de la flotte. Maintenant, la flotte, c'est un truc qui coûte méga cher. Donc je vais pas trop foncer dessus. Total Annihilation, c'est un jeu où j'ai pas trop joué non plus, mais ce que je me rappelle, c'était l'industrie navale qui coûtait tellement cher en métal, quoi. Ah ouais, clairement, clairement, l'industrie navale c'était le truc qu'il fallait pas faire. Et ça se retrouve un petit peu sur Supreme Commander d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Ouais, un petit peu moins je trouve. Je sais pas si t'as fait des grosses flottes de navires, mais ça Ouais, mais coûte j'ai pareil. fait ça sur les IA pour me marrer, mais bon. C'est pas utile, Ça coûte franchement. quand même une blinde en métal et je trouve que l'infanterie plus l'aviation, t'as pas besoin vraiment de bateaux pour les intérêts stratégiques. Bon, comment se passe ton économie de ton côté? C'est pas aussi bien parti que d'habitude, mais je suis quand même dans le vert. T'es dans le vert? Pas de mon côté encore. Ça se passe plutôt mal, je trouve. Comme d'hab, j'ai un peu plus de retard que toi. Là, je viens de passer juste Tech 2, là. Je suis pas encore passé Tech 2, tu sais. Non, non, cette fois, franchement, j'ai beaucoup de retard. Fais attention, te fais pas surprendre par les bots, hein. Toujours un petit peu d'anti-aérien. Ils pourront pas venir avec autre chose pour le moment. Ouais, c'est pas faux. C'est un peu bizarre cette fois que je De joue toute un façon, petit le peu temps de faire de avec. la technologie qui te permettra d'aéroporter, t'es tranquille. Mais Ouais, pense c'est bien à juste. toujours un ou deux bâtiments anti-aériens, c'est toujours. Ça peut toujours te sauver la vie au cas où. Je veux pas faire des bâtiments, enfin, c'est des choses que je ne vais pas te dire, voyons. À un moment, on va bien devoir se mettre en guerre, non? Surtout si tu approches de mes territoires. Je te préviens, l'île qui est en dessous, mince, comment on Ah appelle ouais, ça? t'es sûr ça? C'est mon territoire, voyons. C'est comme les îles avec les Chinois. Mauvaise référence, très mauvaise. Alors là, ce que je me suis toujours demandé, c'est les avions. Est-ce qu'ils peuvent recharger dans les Oh bases? putain, Je ne avion ennemi pense pas. européen. Ah ouais, déjà? Ok. Ça va vite, hein? Ah vite, il faut que je fasse deux trucs anti-aériens, tech 1 de merde là, mais au moins je suis tranquille. Bon, je vais essayer de le passer tech 2, lui, mais j'aurais pas dû faire ça. C'était une bêtise, je pense. Enfin, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, là. C'était juste un éclaireur a priori. Ah, moi, j'ai toujours rien qui est passé chez moi. Donc, pour l'instant, je suis safe.
pour l'instant. On va booster son économie, cette île, je vais m'en faire ma base principale. Juste ça. Ouais, parce que je vois pas comment je vais m'en sortir avec une grosse zone comme j'ai fait dans la précédente partie. Là, il faut que je passe en Tech 2. Là, ça commence à devenir indispensable. J'ai pris vraiment trop de Je retard. viens de détruire leur éclaireur, moi. Ah, Et moi, je n'ai toujours aucun éclaireur. On va voir comment ça va se passer. ok, donc là, je suis plutôt bien. On va passer ça en tech 2. J'ai juste envie de voir en tech 3 s'ils ont ça. Non, ils en ont pas. Ok, les transporteurs alors. Après pour la tech 2. Lui, il a fait son tech 2. C'est génial. Comme ça, il peut construire ça. Et je vais ensuite construire, pour une fois, des générateurs tech 2. Je le fais pas habituellement, mais pour une fois, je vais le faire. Ensuite, il ira gentiment aider là. Ouais, je vais pas en construire autant, j'ai besoin juste de deux techs. Voilà. Voire un seul, ça suffira pour l'instant. Putain, j'ai vraiment du retard. Et Bon, voilà que je on va commence à commencer à faire parler au Marseille. passer la flotte. Pourquoi t'as commencé à construire tes ports? Oh, je commence à attendre la fin des chantiers technologiques. Ouais, t'as beaucoup plus d'avance que moi alors, hein. Enfin, ça va pas durer à mon avis. Je te rappelle pour le moment que tu es en avance sur le point, mon ami. D'ailleurs, petite note comme ça, parce que je suis fair play, mais à mon avis, tu le savais. T'es au courant que tu peux upgrade ton commandeur? Oui, mais je le fais jamais parce que le commandeur, c'est une unité, comment on va dire, que je qualifie de sacrifiable. Ouais, c'est un peu ce que je me disais aussi. Après, Mais ça c'est n'empêche clair que qu'avec il y a des certains avantages. upgrades, il peut être très très sympa, la téléportation notamment. Mais ça coûte Ouais. trop cher et, enfin, pour le même prix, tu as des, enfin, je sais pas, t'as des robots araignées quoi, donc ça sert à rien. Si tu l'utilises en tant que kamikaze, alors là, oui, il peut y avoir une utilité. J'ai une grande réflexion sur ce que je vais faire. Je suis un peu perdu. Ça se voit que je me suis pas préparé cette fois-ci. Je fais plein d'erreurs, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est la fatigue. Non. Je suis juste un noob. Ok. Alors lui je l'upgrade déjà en tech 3. Simplement pour avoir le plus rapidement possible justement des technologies tech 3 quoi. Va falloir absolument que j'upgrade une de ces usines à métal aussi. Je vois pas pourquoi j'ai fait dans ce sens-là, j'ai. Oh là là. La priorité c'est d'upgrade les extracteurs quand même. Ah, je suis un boulet. Je suis un boulet. Pause. Pause. Ça ne sert à rien. On va créer des extracteurs. Point. C'est parti. Et lui, c'est déjà fait. C'est parti. Voilà. Upgrade d'extracteur, vraiment, c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Si j'ai envie de survivre contre les IA, c'est ce que je vais faire.
Ensuite, lui, il a gentiment fait ça, c'est très bien. Tu vas retourner. Oui, tu vas aller en construire d'autres. Là-bas, je sais que ça peut mettre une plombe, mais c'est bon. Hop, voilà. J'ai encore quoi comme extracteur tech 1? Lui, lui et lui. Ok. Quand il a fini, il ira là pour aller l'upgrade. Qui est-ce qui a fini? Lui? Ok. Hop, voilà. Bon, je suis devant au niveau score, mais franchement, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste du tout. Là dans C'est la la catastrophe, zone. Nalo! Pourquoi tu te fais défoncer? Non, j'ai des problèmes dans la technologie. Moi j'ai un autre problème, c'est que je viens de passer à moins 100 en métal, comme ça. Ok. Il y a des trucs qui coûtent cher. Ah ouais, mais là à ce point, j'imaginais pas. Ouais, c'est lui. C'est un peu normal, à mon avis. Il est tech 3. Alors, voilà pourquoi j'ai choisi les Aéons. C'est parce qu'ils ont un cuirassé expérimental. Et surtout ça, le porte-avions expérimental. C'est génial. Et ça, c'est encore mieux. C'est vraiment génialissime. C'est ressources infinies, quoi. Vous avez ça non-stop. Le problème, c'est qu'au niveau du coût de construction, c'est assez faramineux. Bref, je suis passé tech 3. On va commencer à faire des petites usines comme ça. Voilà. Lui, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Ok. Bah lui, je vais voir s'il y a encore du tech 1 quelque part. Là, il y en a encore. Donc il va aider ça à upgrade. Voilà. Je me permets de le faire. Hein. Si vous voyez au niveau des montants que j'ai en stockage de masse, j'ai plus que 1000 en stockage. Et faire un upgrade, ça me coûte 900 pour passer de tech 1 à tech 2. Donc là, je peux largement le faire sans passer en négatif, sans tomber Alors, je vraiment suis en sur la train de bêche. faire connerie sur connerie, mon ami. Ouais, bah écoute, moi aussi, je prends la partie un peu plus cool, quoi, et ça se ressent. Et lui, il me consomme à mort en énergie. Donc, c'est bien, mais ça fait mal. Maintenant l'avantage c'est que lorsqu'il aura terminé ça, ça va faire vraiment du bien à l'ensemble du truc. Voilà. Et si on fait fabricateur de masse. Et puis. Ah, le lance-missile, j'ai passé de place, zut. Système activé. Alors, pom pom pom. Défense anti-missile alors. Voilà. Bon, c'est bien. Je commence à avoir ça. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils peuvent se rendre utiles? Ils vont aller gentiment ici. Lui. Ah, j'ai entendu des tirs. J'ai dû rêver. Oui, j'ai dû rêver. Ouais, lui il va aider là, mais ça me consommait trop de trucs. Faut que je fasse une priorité sur l'upgrade de mes mines. C'est juste ça et bon bah. Je m'éparpille un peu trop. Beaucoup trop. Ouais. Tu es quand Beaucoup même trop. devant, je te le fais remarquer. Ouais, mais de pas beaucoup. Et j'étais en train de dire justement que je m'éparpillais beaucoup trop. Et c'est vraiment le défaut ici. Par contre, c'est horrible ton accent là. Franchement, si tu commences à jouer comme ça. Oh, je vais péter un câble. C'est l'accent de Marseille, mon C'est ami. dommage que je peux pas faire l'accent belge. Ok, je viens de descendre un nouveau pigeon. Hey, moi, j'ai toujours personne qui est venu. Toujours. Je me sens seul. Personne ne m'aime. Profite, profite.
De toute façon, le Front National a dit que la victoire est dans l'Isonias. Dans. Oula, oula, on parle pas politique, vite. Ah, dans l'iso. Putain, je me rappelle plus. Isolia. Li Putain, j'arrive même pas à le dire. l'isolation? L'isolation. Exactement. D'accord. Ce qui est une connerie, bien entendu. On ne peut pas gagner en étant sur la défensive, hein, n'est-ce pas, Nano? Oui. Contre des IA, je préfère, parce que je t'ai raconté hein, le coup là de l'IA qui m'enchaînait des nuques sur nuques après 50 minutes, ça m'a fait très peur. Je pense bien. Donc maintenant, je vais établir un nouveau radar. Et je viens de te le dire. Ouais, c'est gentil. Tu vas pouvoir profiter de l'ampleur stratégique. Bon, de toute façon, pour l'instant, hein. Un moment, on va se foutre sur la gueule, mais là, pour l'instant, je crois qu'on est en train juste de sécuriser nos bases respectives. Pour le moment, l'IA n'arrive pas à suivre, ce qui est plutôt cool. Ouais, heureusement. Enfin, attends que l'IA passe en Tech 3, tu vas le sentir. Oh, mais je suis vraiment poulet. Depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut que je focalise sur les mines et je sais pas ce que je fais. Bon. On va gentiment bouffer des... Conso, hop, vas-y, 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 voilà. Bon, si je le mets en patrouillé, il devrait logiquement le faire tout seul. J'espère. On va voir. Ok, ça c'est fait. Tech 3, ok, impec. Oh putain, pourquoi j'ai autant de métal en moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le lance-missile. Eh ben oui, eh ben oui. On va arrêter le lance-missile. Alors, comme je disais, on se focalise sur les upgrades. Voilà. Oh putain, ah, ça c'est une sacrée focalisation. Ok, donc upgrade mon commandeur en Tech 3, c'était une connerie. Bullshit, ne faites pas ça. Hop, vas-y. Tu vas gentiment l'aider, même si je suis à moins 100. Pff, oh là là, quelle horreur. J'ai un départ catastrophique. Tu es quand même premier au score, je te le fais Ouais, remarquer. mais... Oh, tu vais, Et j'ai tu encore verras un dans la avion vidéo. ennemi qui m'attaque là. Putain, ça me saoule. Et ouais, mais en fait, je crois que si je suis devant, c'est juste parce que je suis tranquille. Oh, mais je suis con. J'ai fait des transporteurs pour une raison. Bah oui. C'est quand même pour les utiliser. Donc je crois que je vais gentiment les utiliser. Ah. Voilà. Voilà. Eh oui. Oh là 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 là. Quelle bêtise je fais. Lui, il va aller transporter ça ici. Voilà. Il en a juste un, bon c'est pas grave, hein. Eh mais pourquoi il me l'a lâché? Qu'est-ce qu'ils font? Il est bourré, quoi. Eh mec, faut pas boire, hein. Tu me le prends? Non, t'y arrives pas. Putain, t'es... Ouais, il est bourré, je crois. Il est bourré. Bon. C'est pas grave. On va aller établir une base là-bas. Voilà, ça c'est bien, ça c'est fait. Ils vont gentiment revenir tout seuls après, comme des grands. Voilà. Bon, ce que je vois, c'est que je commence à avoir du métal en positif. C'est enfin une bonne nouvelle.
se faire d'autres extracteurs. Hein. Allez hop, tech 3. Vas-y, tech 3. Ouais, et encore un. Voilà, pas plus. Oh, tu es toujours devant, et pourtant là je commence à m'émanciper. Là. Ah, bah j'ai pas encore commencé. Bien, je te propose de faire un pacte de non-agression temporaire. Je prends le quart qui se trouve sud-est. Le quart? Le quart de la map, sud-est. Tu es où, toi? Je suis au sud-est. Non, mais tu te parles de l'île. Est-ce que tu es l'île qui est totalement à l'est? Ça c'est... Attends, bon. Alors, je suis pas l'île qui est totalement à droite, je suis à l'île qui est à droite et juste en bas. Donc, ok. Le donc, sud-est. Je te laisse l'île qui est au sud, je prends l'île qui est à l'est. Ça te va? Ouais. Ok. Mais sache que j'ai des revendications sur cette île aussi, et nous devrons en découdre un jour. Un jour. Pas aujourd'hui. Non, pour l'instant, faut mieux pas. J'ai peut-être des balls, mais là, j'ai des toutes petites balls. Oui, oui, oui. Pouf. Mais pourquoi j'ai lancé ça? Oh là 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 là. Je m'éparpille encore une fois. Franchement. Franchement, Nano, franchement, c'est pas bon. Alors, je suis navré si vous entendez la police derrière. Tant pis pour vous. Je suis recherché, c'est tout. Non, je déconne. Ça me semble clair, quoi. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà, on va continuer. Parce que là, il est temps d'accélérer un peu le mouvement. Allez, on y va. On y va aussi. C'est bon. Putain, il est en train de me détruire mes trucs, cet enfoiré. Hein. Sérieux? Il m'a pété deux... Il a commencé à me péter des trucs de métal. Ah, je viens d'avoir de la visite. Alors, je vais voir. Est-ce que je peux... Oui, je peux. Alors, juste après ça, lui, je vais l'amener quelque part pour construire des tech 3 en défense. Ah oh, merde, je viens de voir. Je me suis fait détruire là. Ok, bon. C'est ce que je vais devoir faire. D'accord. Eh ben c'est parti. On va gentiment aller là. Il a mis la limite à 1000 unités, c'est bon, je mettrai des avions, c'est suffisant. Hé, hey, pourquoi il est pas parti lui? Bon, en attendant, on va le grade. Bah tiens, le téléporteur juste... Oh putain! Comment j'annule ça? Je peux pas annuler? Oh putain! Je veux annuler monsieur. Non, je peux pas annuler. Aurélien, enfin J-Alf, hein, oui. Tu sais comment je peux annuler une upgrade sur mon commandeur? Parce que là, ça me bouffe beaucoup d'énergie. Ah, il fallait regarder, tu fais clic droit dessus, non? Ça marche pas? Non. Là, tu vas dans l'os. Ouais, c'est con. Bon, bah comme tu l'entends, hein, je fais encore des boulettes, quoi. Ce sont des choses qui arrivent, mon ami. Ça m'arrive peut-être un peu trop souvent, là. Je prends l'accent marseillais quand j'en fais trop, aussi. Pourquoi t'estimes que les Marseillais, c'est des boulets? Voilà, tu viens de perdre 1000 abonnés. Je ne dirais pas ça. Je dis juste que les Marseillais, à la place d'être des boulets, c'est des bouvets. Des quoi? Des hommes ayant beaucoup d'alcool dans leur corps. Ah, des Belges. Tu peux voir les choses comme ça.
Je suis à moins 123 de métal, mec. Je suis à moins 38 860 d'énergie. Tout est dans la merde. Donc, t'as compris, tu te plains pas. Ah putain, mais clairement, quel poulet je viens de faire. Allez, c'est pas grave, on va construire un petit truc comme ça. On va en construire deux tant qu'à faire. Oh putain, en fait, on y va. De toute façon. Dans la merde ou pas, lui, il aura fini ça assez vite. Si j'ai la téléportation, je me demande L'entière. quelle portée ça. La téléportation, ça portée infinie ou bien... Je sais pas trop. Ah ok, bon ben je vais le savoir bientôt. Ouh, un avion ennemi vient de se faire destroy l'anus. Sérieusement, qu'est-ce qu'elle est grande cette map. Bon, on va bientôt voir la téléportation. Hein. Système activé. Alors, Ok, mes réserves de métal se sont téléporter. épuisées. Comment ça fonctionne? Ah, ok, donc ça pompe de l'électricité le temps de la téléportation. C'est pas mal quand même. Bon, je vais annuler alors. Système activé. Je vais annuler ça. Je vais me faire deux autres comme ça. Lui, je l'ai vu faire comme ça. C'est pas une mauvaise idée. Hop. Je vais terminer mes upgrades ici. Non, pas vous. Si j'en ai d'autres à upgrade, ceux-là, ils sont déjà tech 3, c'est bon. Voilà. Pourquoi il se casse? Il a pas compris. Il transporte rien en plus. Oh, mais quel boulet! Bon, des choses que je comprends pas encore. Oh. Alors. Et qu'est-ce qui a fait boum? Je ne sais pas, mais j'ai entendu boum. Bon, en attendant, on va construire des petites bases aériennes, juste pour défendre. Tout ce qu'il va falloir faire. Ok, ils sont encore en construction. Voilà. Vous allez l'aider. Oh, je suis en train de me faire devancer. Mais bon, c'est un peu évident. Pourquoi est-ce qu'il est par là, lui? Hé, hey, reviens! Reviens, mec! T'es vraiment stupide. Ah, je viens de comprendre. Ok. Ah. Ouais, décidément, cette partie, je ne la fais vraiment pas comme il faut. Ce sont des choses qui arrivent. Il est là-bas, tant mieux. Cinq, ce sera suffisant. Falloir que je fasse beaucoup plus d'usines. Ben justement, usine. Et si je faisais une usine? Ouais. On va déjà se lancer. Attends. Allez, c'est parti. C'est parti pour le gros machin.
rien. Point barre. C'est tout ce qu'il va me falloir. Comment ça va de ton côté? Je me fais attaquer par des bateaux, ça me fait chier. Eh, je vais pas pouvoir t'aider. Ok, c'est parti. On va booster la Pour génération protéger la basse. côte. Let's go. Hop, voilà. Je sens que je vais gentiment devoir réfléchir. Et j'y suis pas habitué. Alors si je lance lui, ça me fait quoi? Moins 300, moins 30, moins 900. Ouais. Mais je le lance quand même. Parce qu'une fois qu'il sera fait, je n'aurai plus aucun problème d'énergie. Du coup, je vais pouvoir construire des unités, mais non-stop. Ça, vous allez voir, une fois que je l'aurai fait, franchement, il est énorme. En gros, c'est un truc de ressources qui vous met en positif quoi que vous fassiez. Impossible que vous tombiez du positif. Enfin, que vous tombiez en négatif. Je suis en train de regarder, il me dit que j'en ai pour 139 minutes. Je vais attendre de finir quelques trucs. Je vais attendre de passer mes tech 3. Et une fois que c'est en tech 3... Bah voilà, j'ai juste à gentiment tout mettre dessus. J'aurais rien besoin de faire de plus. Voilà. En tout cas, sur une aussi longue map, je ne vois pas ce qui m'en empêcherait. Encore un. Ok. On va encore se faire quelques générateurs parce que je sens que j'en aurai besoin si je veux faire justement ce gros machin. Pourquoi est-ce qu'il ne construit pas le reste? Ah oui, ok. Voilà pourquoi. C'est bien. Vous allez aider. Ensuite, c'est bien. Vous allez rien faire. Pour l'instant. Si, vous allez faire ça. Voilà. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Comme vous voyez, je fais encore une fois la même erreur que contre Géal, c'est que je pack tout. Je sais, c'est une bêtise, mais c'est temporaire, puisque... Quand ce sera terminé, j'aurai juste à défendre ça. Je pourrai tout faire péter le reste. Et voilà. Si je défends juste ça, je peux construire des silos à missiles non-stop. Vous imaginez? Ça ferait très très mal. Bon, lui, il s'est paumé là. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon, tant qu'à faire. Il fait quelques usines. Hein. Voilà. De toute façon, il devait pas se sentir très utile comme il était. Ok, j'ai peut-être fait une bêtise ici. Non. C'est parti encore pour un moment. Alors, toutes mes unes sont en tech 3, je crois. Non, peut-être pas celle-là. Oui. De toute façon, comme je disais, je n'en aurai plus besoin après.
Eh oui. C'est assez énorme. Mais c'est comme ça. Donc j'ai juste à me concentrer pour terminer ça ici. Et puis... Allez. D'ailleurs, justement, plutôt que de les mettre sur lui, je vais les mettre là. Non, 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 c'est lui que je demande. Voilà. Ici, on construit quoi? Il construit ça. Ok. Il construit des avions. Des feux. Ouais, ok. Eh ben, écoute. Ça sent plutôt bon. Ça sent même très bon pour l'instant. Bon, un petit peu de calcul. Il me dit 139 minutes. Pour l'instant, j'en ai 5 dessus. 140 divisé par 5, ça me fait pas grand-chose. Ouais, ça me fait 24 minutes pour l'instant. Ah, je descends déjà à 22. Ah non, il y en a 7. Je suis à 20 quasiment. Ouais. Et une fois que j'aurai terminé ça, je les balance tous là-dessus. Allez-y mes petits, allez-y. Ça va, tu t'en sors toujours? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Disons que j'ai des trucs assez intéressants qui sont en train de se faire. Ok. Mais je prends la partie vraiment tout en douceur cette fois. Ouais, il est 38 minutes et pour le moment, tranquillement, quoi. Ça c'est bien. Non, vous allez faire ça. Voilà. Parce qu'en fait là, l'essentiel c'est que quand j'ai terminé de construire mon lance-missile, je les balance justement sur mon générateur de masse et d'énergie constante. Et ça va être phénoménal. Qui se passe ici? Ah ouais, lui. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Il va faire toute la route. Imaginez-le en train de ramer. Pourquoi je perds autant d'énergie? Tiens. Il y a une raison. C'est peut-être ça. Oui, c'était ça, ok. Ensuite, on fonce là-dessus. Ça va me faire extrêmement mal. Vous allez voir mon économie, elle va chuter, mais c'est pas dramatique. Sur une aussi longue... Ah merde! Ça c'est chiant. Ça c'est très chiant quand même. Et mes avions sont tellement loin. Ils vont jamais arriver jusque-là. Attends. Hop. Eh ben, tu sais quoi, je me fais attaquer. Pas sur mon île directement, mais je me fais attaquer. Enfin. Ouais, il était temps, hein. Non, là, pas besoin de faire le lance-missile. Pas besoin, pas besoin. Laissez-le. Il va se faire tout seul. Faut focus plus important. Ah, c'est vraiment ça en fait. Quand il sera fait, j'ai ressources infinies, mais c'est tout. Bon, je suis en train d'essayer de voir, hein. Je vais essayer, je vais tenter de rester en positif. Ça va être difficile, hein. Vous voyez là, mes chiffres ils chutent parce que bah, en fait la construction de cette unité-là coûte extrêmement cher. Voilà, faut que j'arrête, faut pas qu'il y en ait plus. Pendant ce temps-là, donc, je vais construire encore et encore des îlots. Voilà, des îlots de production.
clairement pas d'autre choix là. Hop, 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 hop. Heureusement que j'ai assez d'énergie pour survivre en titan là. Je crois que je vais juste devoir mettre en pause à un instant, mais c'est tout. Ah, au fait, je préfère prévenir, si jamais mon enregistrement plante, bah, il y aura quand même cette partie de la vidéo, mais forcément il n'y aura pas la totalité. Ça c'est bien, ça avance. Je vais en enlever un. Voilà, comme ça je peux revenir en positif. Je vais revenir dessus plus tard. J'ai pas beaucoup d'autres solutions. Ils ont assez de vol, ouais c'est bon. Je vais les mettre sur la terre quand même. Youp la boum. Oula, 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 ok. Ok, 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 j'ai compris. Je vais juste en désactiver un. Non, pas celui-là alors. Celui-là, voilà. Ok, j'ai compris, ça fait mal. Faudra que j'en désactive un autre après, bah je vais désactiver celui-là quand il sera fini. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ah bah je vais construire des tonnes de défense nucléaire à cet endroit-là parce que c'est indispensable. Si je le perds, c'est un petit peu la mort. Par contre, s'il s'avère que je me suis trompé et que c'était un bug durant une de mes parties, je vais l'avoir dans le cul, vu que j'ai basé toute ma partie actuelle là-dessus. Ouais, on va voir, on va voir. Ça y est, je reviens en positif, c'est bien. Faut pas grand chose, allez. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, 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 ok. Bon. Là, l'essentiel, c'est juste que je tombe pas en négatif, hein, que j'ai toujours quelque chose dans mes stocks. C'est indispensable. Putain, 44 minutes déjà. Ah, cette partie est assez lente, hein. Je crois que ça va juste jouer au nuque. Moi, je vous conseille de zapper parce que franchement, vous zappez certains moments, faudra aller en avant. Je crois que tout va commencer dans... Allez, 15 minutes, pas avant. Et ça va péter vraiment très fort. Voilà. Ok, là ça commence à être bien. Je vais recommencer à en produire. Voilà. Je sais, je suis fameusement négatif en métal, mais j'ai une énorme réserve, donc c'est pas dramatique. Et si jamais vraiment je suis en négatif, je les arrête temporairement, et ça remontera tout seul. Tandis qu'ici, ça avance très très bien. Oh, putain! Notre nageur, vous vous souvenez? Celui-là qui était en fait paumé là. Ben il est revenu. Et il est courageux, quand même. Franchement, ça peut s'applaudir. Qu'est-ce que je peux faire? Ah tiens, si je fais ça, ça va augmenter aussi la génération. Je suis en train de me le demander, mais je pense que oui. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Alors, j'en ai fait deux. Je vais aller aider là-bas pour l'instant. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est, mon gros? Ah, il est là. Je commence à être un petit peu moins négatif. Je vais en enlever un pour retourner aider là-bas. Je vais en enlever encore un. Ouais, faut pas que... Hop.
C'est bon, moins 2, c'est une très bonne chose ça. Moins 2, moins 14, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Ça a plus duré, je vais bientôt repasser en positif. Ok. Eh, en fait, au niveau du score, je te talonne, et par contre, l'IA... Ouais, l'IA, elle a du mal. Hein. Ouais, je crois que ça va être facile de l'avoir. Moi qui me disais que ça allait corser la partie, bon, bah, c'est dommage. Bah, du coup, on se retrouve face à face. Et ouais, mais avant ça, il va falloir calmer l'IA. Ok, on relance des fabricateurs à droite et à gauche. Non, si c'est vraiment tel que c'était, c'est quand même vraiment abusé ce générateur. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de détruire tranquillement tout ça et de mettre plein d'antimissiles ici. Voilà. Je ferai une grosse défense, vraiment un truc bien bourrin. Et je commencerai à aéroporter mes petits gars un peu partout pour construire des tas de trucs expérimentaux à droite et à gauche. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça va être bien. Mais j'ai quand même un petit doute. Je me dis, c'est pas possible que ce soit aussi abusé. Ce serait énorme. À voir. Je suis à moins 39. Hop, 4700. Bon bah, plus besoin de construire ça. Non, dégage l'avion. Plus besoin de construire tout ça. Tu reviens. Et va là-dessus. C'est plus nécessaire. 4800. Allez. Allez. 4900. Ouais. On va voir tout de suite. Hop. Voilà. C'est fait. Logiquement, je vais être en positif constant. On va voir ce qu'il en est. Ah bah oui, regardez, mes chiffres ne baissent plus. Plus rien. Du coup... On va gentiment les exploser sans provoquer une réaction en chaîne. Oups. Je disais sans provoquer une réaction en chaîne, mais finalement... Est-ce que j'ai la capacité d'empêcher ça? J'ai pas l'impression, merde. Bon. Alors on va défendre comme un malade. Ok. Bien, c'est parti, plein de transports aériens. Comment ça, transport is full? C'est vraiment pas des gros transporteurs. Hein. Hop, et ici. C'est parti. Mais avant, il faut absolument faire ces antimissiles. Pourquoi est-ce qu'il me les fait pas? Quand même.
je vais gentiment l'upgrade. Hop, c'est parti. Cette amélioration sera plus existante dans cet emplacement. Ah non, alors faut pas. Maintenant que je peux faire ça tranquillement, hop, c'est parti. Vous voyez, ça reste à 1000 fixe, ça ne va pas bouger de là. Alors, les antimissiles, c'est fait. Maintenant, les lance-missiles. Oh putain, ça va juste faire mal. Les lance-missiles comme ça à la chaîne. Il me faut absolument des tonnes de défense aérienne. Voilà, j'y vais comme un bourrin. On y va à la barbare. Bouya, bourrinage total. C'est ultra moche. On dirait un gribouillage de gosse. Tellement, tellement, tellement. Et ensuite, bah, des défenses terrestres, hein, parce que s'ils s'amènent par la terre, ça va faire mal. Oh putain, c'est tellement moche. Oh, oh là là. Alors que j'ai envie de faire n'importe quoi. Ah non, 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 vous deux, vous restez là, voyons. D'abord, vous me construisez. C'est quoi ça? C'est en pente? Quelle idée. Quel con qui a décidé que ce soit en pente. Voilà, tu vas me construire. Bah pourquoi est-ce qu'elle veut pas se... Je peux pas les mettre là? Voilà. Tu me talonnes, Nano, tu me talonnes. Il se doute pas de ce qui se passe. Ouais, ouais. C'est ultra moche. Bon, des lance-missiles maintenant. Est-ce que je vais pouvoir encore en placer? Oui, je vais pouvoir remplacer. Allez, c'est parti. On y va comme des bourrins. De toute façon. Il n'y a que ça de vrai. Hop. Ah, vous avez vu le joli bug ici? Usine terrestre qui était passée à 15. C'est amusant. Ça va être violent. Parce que là, j'aurai des bases nucléaires partout. C'est ce que je vais faire, vu que j'ai plus besoin de ressources ni quoi que ce soit. Voilà. Et pour être sûr, je vais même me faire un deuxième truc de ressources constantes. Dommage que je peux pas tous les lancer en même temps. Attends, je vais voir ça. Oui, c'est bon, je suis doué. Je suis pas un dieu, mais je suis un peu doué quand même. Hop, voilà. C'est bon. Alors, toi, tu vas aller... ça. Toi, où est-ce que tu es? Tu vas aller me faire... Voilà. Ensuite ici. Des tas de défense. Vroom. 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 Voilà. Et quelques lance-missiles encore une fois. Je dirais 2, voire 3. Voilà. Et ensuite. Hop, c'est parti. Ici, on va se faire quelques défenses encore une fois. Voilà. Et quelques lance-missiles également. Donc, comme vous voyez, j'ai aucune visibilité. Ça, c'est ce qui est gênant.
C'est ce qui peut aussi me défoncer à terme. Mais bon. Voilà. Oui, j'hésite pas en fait. Je lésine pas parce que ouais, on a une limite de 1000. C'est bon quoi, je vais en profiter cette fois. Hop. Voilà ce qui se passe quand on... Oh merde. Un petit tour. J'en ai là et là. Ok. Quand tu l'auras fini. Oh, j'ai pas besoin d'en faire autant en fait. Je suis con. On va aller s'amuser tout de suite. Allez, zou. Vas-y, construis-moi ça. Oh, il va vite, hein. Hop, ensuite. Allez, lancez-le, voilà. Les deux sont ici. Alors, les lance-missiles, où est-ce qu'ils sont? Ils ont quelle gueule déjà? Celle-là. Alors, combien j'en ai? Super. Ouais, comme vous voyez, j'attribue en fait des numéros à chaque lance-missile. Je vois que le 1 et le 2 ont déjà un missile. C'est parti. Je sais. Et si j'en lance plusieurs, c'est pour une raison très simple. À ce stade de la partie, ils ont déjà des anti-nukes, c'est certain. Lancement stratégique détecté. Oh. Lancement stratégique détecté. C'est toi? Je ne sais pas. Bah, si tu sais, si c'est toi. C'est peut-être une erreur de ma part si je venais à te le dire. Ah, je t'avais dit, hein, on arrive à 50 minutes. Lancement stratégique détecté. Voilà ce qui va se passer en Ah, fait, c'est le c'est genre que... de mec qui rigole pas. Ah, c'est pas moi. Donc c'est pas toi. Logiquement. T'aimes pas, hein? Ah, tu vas savoir. Ah, disons que quand tu regarderas ma vidéo, tu vas être dégoûté d'apprendre quelque chose. Ok, mettons. Enfin, je pense que tu vas apprendre quelque chose. Ou alors c'est moi qui me trompe complètement. Ouais, pour le moment, j'ai rien reçu. Ah oui, mais pourquoi est-ce que je te viserais? Ah, t'es en train d'annihiler. D'accord. Je suis en train de voir si ça passe. Et ça a l'air de passer. Ok, encore un. Et encore un, ouais. Lancement stratégique Je sais, détecté. c'est con que j'en lance autant en même temps, mais j'ai pas le choix. Lancement stratégique détecté. J'ai vraiment pas le choix ici, parce que là... Lancement stratégique détecté. Si je le fais pas... Ils vont me défoncer assez vite. Et surtout, Géal doit paniquer là, d'entendre ce genre de choses. Je sais pas ce que ça doit donner. Ça doit être drôle.
Hop, on va rajouter un petit lance-missile. Je l'avais construit, mais en fait. Merde. Zut! J'étais en push to talk qui est pas en shift. C'est con. Je voulais pas. J'ai tellement, mais tellement d'unités. Et je vais avoir tellement, mais tellement de lance-missiles. Oh là là. Lancement stratégique détecté. Ah merde, ça par contre c'est pas les miens. Adi, c'est à toi ça? Je n'aime pas ton silence. Excuse-moi, je disais en push total que c'est pas encore un de tes missiles. Non, non. Excuse-moi, j'étais en train de te gueuler dessus, mais tu pouvais pas m'entendre. Ah, c'est toi là! Salut, ça va? Dis donc, t'essaierais pas de m'avoir? Serait-ce une déclaration de guerre? Tu viens de me détruire un croiseur de combat, mec. Oh! Zut alors! Foutre des porte-avions partout. Ça va être une horreur. Ok, ici j'ai fini. Hop, voilà. Ensuite, on passe sur un autre porte-avions. Encore un porte-avions. Encore un porte-avions. On y va comme des malades. Putain, c'est efficace comme truc. Pourquoi il bouge pas? Qu'est-ce qui lui prend? Hey, il est bloqué, je comprends pas pourquoi. Zut, bon. Du coup, on va le déplacer ailleurs. J'ai un souci, mes unités veulent plus bouger. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle leur prend? Dis, t'as le bug aussi? Mes unités bougent pas du tout. T'as ça aussi? Excuse-moi, je disais, je teste avec un avion, il met 5 secondes à répondre. Ah, c'est bizarre, hein. C'est qu'il y a trop d'unités sur la map, il va falloir détruire un peu des missiles. Ah, d'accord, c'est peut-être un peu ma faute alors. Ah, va falloir que je vois où se trouvent les ennemis. C'est moi, je vais essayer de faire un peu de ménage, je tire sur les prétendus ennemis. Ok, on va arrêter de construire autant d'unités alors. Ça va être ça, ça, ça et ça. Ensuite, où est-ce qu'il y en a d'autres? Ici. Ça va ramer comme ça beaucoup? Longtemps? Sûrement. Le temps que mes missiles arrivent normalement. Oh, tu les envoies chez moi? Non, je les envoie chez les ennemis parce que toi t'as des défenses donc ça sert à rien de tirer. Parfaitement. Ouais, je crois que je vais arrêter la production sur toutes mes unités terrestres. Enfin, mes usines terrestres là parce que. Mince, mince, je suis pas dessus. Allez, 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 petit. Ça rame sévère en tout cas là.
Je viens d'exploser, je viens de tirer sur une base ennemie, ça devrait aller mieux. Je sais pas. Je crois que je vais autodétruire plusieurs de mes unités parce qu'elles bloquent celle-là. C'est pas grave. Dis-moi, tu as une visibilité sur les ennemis ou pas du tout? Du tout, mais j'ai envoyé des missiles et a priori ça a tapé dans le tas, donc. Bon, je vais essayer d'avoir de la visibilité, moi alors. Oui, je vois quelques ennemis. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Je vais faire du nettoyage. Mais dis donc, tu t'approches encore une fois de ma base? Dis donc. Je me demande pourquoi. Moi, je vais juste terminer l'AI pour l'instant. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Tu entends ça? Lancement Ouais, stratégique j'entends ça, détecté. ça me fait un peu flipper, je te vois. Là, je vais me mettre en direction de Jeal, vu qu'il essaie de m'attaquer. C'est que la paix est finie entre lui et moi, c'est tout. Bon, vu qu'à mon avis, l'ordi ne va pas se laisser abattre si facilement, on se tape sur la gueule? Tu peux négocier des termes de reddition aussi. Boom. Je t'entends plus, c'est quand même étrange.
Excuse-moi, je disais, j'ai pas de force à lui opposer, j'ai un navire ennemi Tech 3 qui est en train de me pilonner ma base, j'aime pas trop ça. T'as un navire ennemi? Ah, c'est l'IA. Attends, je vais la détruire. Je suis gentil. Oups, je crois que j'en ai lancé quelques-uns chez toi. Bon, pendant ce temps-là, je vais aller voir où en est l'IA. J'ai entendu un gros boom, c'était où? Ah, c'était mon gros avion. Lancement stratégique détecté. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Ton gros avion, j'ai pas compris comment il a pu passer alors que j'avais 20 000 radars. Ça me saoule parce que ça a tout pété, quoi. Oh, je suis désolé. En fait, je t'explique. Cette race, elle a une unité, enfin une unité expérimentale, mais qui est extrêmement dure et longue à mettre en place. Cette unité expérimentale te donne ressources infinies. Ouais, mais je l'ai pas pété le truc. Oh non. Les trucs que t'as pété, c'est pas ces unités-là. D'accord. Oh, un missile. Oh non. T'as encore beaucoup de bases ou c'est la mort? Quelle mort? De quoi tu parles? Tu m'as fait exploser ma base? Ah non, je l'ai pas fait, zut. Attends, on va changer ça. Stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Ah, je vois quand même que t'as des unités qui commencent à bien se placer. Lancement stratégique détecté.
Lancement stratégique détecté. Bon allez, à part sur ta grosse île, t'as d'autres unités que je sache si je dois chercher ça. Lancement stratégique détecté. Ouais, là je suis en train de suicider tous mes petits potes parce que bon bah ils me servent à rien. Hein. Voilà. Ah, ressources infinies, c'en est cheat et en fait. Lancement stratégique détecté. Bon, sincèrement, je trouve que le truc de ressources infinies, c'est vraiment cheat. Ok, je viens de voir le style, t'avais balancé genre combien de 15 têtes nucléaires? Oui, à peu près. Ah, t'as pas mal de défense. Ouais, j'avais prévu le truc, mais ce que j'avais pas prévu, c'est que c'est ton putain de spam, quoi. Et puis ta soucoupe qui a détruit deux défenses anti-missiles. Lancement stratégique détecté. Bon, on va voir comment ça va se passer. Ah, j'ai drastiquement en tout cas réduit mes unités pour éviter que ça lag. Comme ça, tu peux t'en construire aussi. Par contre, tu vois l'IA parce que moi, je vois que dalle chez lui. Non, je vois que dalle non plus. J'ai vu ton beau porte-avions. Il est beau. Comment tu fais, putain de merde, pour le voir, étant donné qu'il est caché et sous l'eau, quoi? T'as vu mon gros porte-avions qui est passé au-dessus? Il a de quoi Oui. détecter ça. Putain, c'est casse-couille. Ouais, hein. Non, non, bon, bah, c'était la deuxième fois que je jouais avec cette race, je vois à quel point c'est vraiment overcheaté, surtout sur une map comme ça. On aurait fait une map beaucoup plus petite, ça aurait été bon, tu m'aurais eu. Et encore, tu sais que là, en fait, s'il n'y avait pas le bug avec les unités, j'aurais juste spammé et il y aurait eu quoi? Une quarantaine de missiles nucléaires non-stop, quoi. Ok, ouais. Ah, t'es là-bas. Lancement stratégique détecté. Ouais, faut que tu te calmes, mec. Lancement stratégique détecté. C'est joli, hein? Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Ok, il va vraiment pas aimer. Oh tiens, attends, c'est mon missile? Ah oui, c'est mon missile. Je croyais que c'était toi qui m'en lançais un. Hein.
Ouais, parce que l'avantage de ces bases-là, bah, c'est que normalement les chasseurs comme ça met facilement 1 minute à se construire. Eux, ils le font en 16 secondes. C'est un peu violent. Une fois qu'ils sont tous faits, il va s'arrêter de construire logiquement. Donc dans quelques instants. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Je t'ai dit, il faut se calmer, mec. Non, jamais. Lancement stratégique détecté. Comme tu vois, je n'avance pas avec mes grosses unités. Je me suis dit, on va laisser un peu de répit. Mais peut-être est-ce que je fais la même erreur que Hannibal. C'était Hannibal? Oui, c'était Hannibal. Lancement stratégique détecté. Je disais, Lancement stratégique. ils ont des trucs tech 3, les gars, quand même. Ouais, mais en fait, ils ont plus rien. Hein. Je suis passé sur leur base et il y en a plus. Tout ce qui reste, en gros, c'est. Je crois que c'est une mine. Ouais, c'est ça. Un extracteur. Deux extracteurs. Et il y a quasiment rien d'autre. Allez, je vais aller en détruire quelques-uns, comme ça on en a fini avec. Ah, c'est mignon ça! Lancement stratégique détecté. Tu croyais que j'allais lâcher mon truc comme ça là? Bah écoute, tu sauras pas avancer très loin, mais oui. Putain, mais tu crois ça? Le plan, il aurait dû marcher si mes chasseurs, ils avaient pas plus de réservoirs. Résultat, ils se sont mis derrière mes tireurs, quoi. Putain! Ah, c'est con ça. Ouais, ça aurait été pas mal, ça aurait fait une belle explosion. Lancement stratégique. Lancement stratégique détecté. Coucou. Lancement stratégique détecté. Je crois que tu vas détester cette partie, et je suis désolé. Ouais, elle est un peu abusée, mais bon, c'est une chose qui arrive. Lancement stratégique détecté. En plus, elle va pas être marrante à regarder, je pense. Ouais, elle est peut-être trop longue. Bah même bon dans les prochaines parties on va juste ne pas mettre les haillons. C'est tout. Parce C'est que eux si... les Aeons? Ouais, c'est ça. Si on met ça au niveau de l'IA, l'IA va te spammer aussi, mais quelque chose de fou. Oh, c'est bien, on a testé, on le sait maintenant. Je ne sais pas, tu as perdu ou pas encore? Je tentais un dernier. Ah, une dernière. Le problème, c'est que j'ai vraiment beaucoup de défense aérienne. Voilà, il suffit que j'utilise mon clic et c'est bon. T'as quand même su bien péter, hein, mais bon. Ça n'a pas suffi pour les autres trucs. En fait, je pense que tu aurais dû viser bah justement mon générateur de ressources. Tu aurais visé ça, tu m'aurais niqué, parce que je n'aurais justement plus de ressources. Mais il est où ce générateur déjà? Je vois. Ah d'accord, c'est ce truc là. Ouais. Ouais, mais il y a trop de défense antimissile là, non?
Maintenant, ouais. Les défenses antimissiles, je les ai juste spammées après, quoi. Ouais, mais là j'ai perdu là. Clairement j'ai perdu là. Mais je suis pas assez stratégique pour ce genre de map. Alors j'ai peut-être trois missiles qui peuvent faire quelque chose, ça m'étonnerait mais. T'as encore des missiles? Attends, je vais niquer ça. Ah non, ils ont tiré dans le vide. Génial. Lancement stratégique détecté. Sérieux, je me demande où t'es encore établi. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Bon, je vais utiliser mon commandeur hein, pour chercher. Lancement stratégique détecté. Lancement stratégique détecté. Bon. On va essayer de l'achever parce que c'est pas cool ce genre de partie. Mais il lâche pas l'affaire, hein. Tu lâches pas l'affaire, hein? Lancement stratégique détecté. Mais non, je vois qu'il lâche pas l'affaire du tout. Il va me balancer des trucs, donc on va prévoir ça. Lancement stratégique Hop. détecté. On va se faire des bonnes grosses défenses ultra bourrines et ultra mesquines. Et surtout, on va en construire un deuxième. Il va être lui aussi protégé parce qu'il a pas l'air de vouloir s'arrêter. Je suis étonné d'ailleurs. Hop, hop, hop. Une belle petite défense. Lancement stratégique détecté. Ça va, c'est bon, défoncer mon île, tu te sens fier? Bah je sais pas moi, il faut que je te défonce donc je cherche ce qui te reste. Attends, j'utilise même mon commandeur pour regarder ce qu'il y a. Et voilà. Ouais, c'est fini? J'avoue, t'as gagné. Ah! Seriously? Ouais. Bon, par contre, l'IA va faire chier parce qu'il doit être un peu n'importe où. Comment est-ce que je fais? Bah écoute, j'abandonne du coup, hein.